block off traffic. Then them we learn and them start drop it. We dip down on it, a beat drop it. Police come in a jeep and them can't stop it. Some say them a playboy get dropped like a bad habit. Some of the power stuff if you're down top it. Rastafari stands alone. Pure ghosts and phantom. The youth them get blind by stardom. Now the king of kings are called. Old man to pick me. So wave on no one if you with me. To see this operation sick me. Them suit no fit me. To win election them trick with them. Them down to nothing at all. Come on, let's face it. A ghetto education's basic. And most of the youth them waste it. And when them waste it, that's when them take the replace it, then them don't stand a chance at all. And that's why enough little youth have up some fat with the egg in a them back pocket. And a bleach at night time in a some black jacket. All who not lock, set them a lock rocket. Quelle ambiance et quelle affiche, une demi-finale du UEFA Europa League à suivre en notre compagnie. L'ambiance est en train de monter, ça sent le grand match, restez avec. Bonsoir à tous, nous sommes à Marseille, dans les tribunes du Stade Vélodrome, pour vous accompagner votre duo de commentateurs franco-argentins. Et ça y est, nous y sommes, la demi-finale, allez, du UEFA Europa League, l'Olympique de Marseille face à Aston Villa. La demi-finale, c'est le moment où certains joueurs doivent prendre leurs responsabilités et sublimer leur équipe. Le grand joueur, c'est celui qui, ce jour-là, fait basculer le match de ton côté. Cette demi-finale allée du UEFA Europa League, elle va nous donner des héros. Paulo Lopez, Clément Langlais avec Mbemba au centre de la défense. Et pour finir, il y aura donc ces trois éléments en attaque. Le numéro 16, Paulo Lopez. Le numéro 7, Jonathan Klaus. Le numéro 99, Chancel Mbemba. Le numéro 17, Clément Langlais. Le numéro 21, Valentin Rongier. Et enfin, le numéro 10, Dimitri. Et un œil sur la composition de cette formation. Il n'y a pas de vérité. Tous les styles de jeu sont intéressants. Là, on va voir un style classique avec ce 4-3-3. C'est parti, l'Olympique de Marseille vient de donner le coup d'envoi de ce match. Jonathan Klaus, Bamba Dieng. Oui, dépossédé du ballon à la régulière. Le ballon sort en touche. Bouba Camara. Camara hérite du ballon. Et voilà une bonne récupération du ballon. Oui, la bonne passe.
Alors il y a contact, mais l'arbitre fait signe de jouer, de continuer. Il laisse l'avantage. L'une des attractions de ce match, c'est lui, c'est Jonathan David. On ne l'a jamais vu transpirer avec le ballon dans ses pieds. Tout est fait avec une grande sérénité et un calme olympien. Il a une force de caractère qui l'empêche de ressentir la pression de l'adversaire. Bamba Dieng. Pas assez de concentration sur cette passe. Aïe, 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 le ballon complètement dévissé, ça passe très loin du cadre. À ce niveau, c'est tout de même étonnant de voir ce genre de raté. Voilà, c'est plutôt bien arbitré, l'arbitre laisse l'avantage, le jeu se développer. Ouais, quelle interception, il fallait intervenir. Jonathan Klaus. Allez, il faut l'aider, il faut lui proposer des solutions là. Sans souci pour le gardien. Via. Jonathan David. Le ballon sort en 6 mètres. Valentin Rongier. Récupération du ballon. Via. Ah, c'est une bonne séquence de passe dans le camp adverse. Ah, c'est une interception réussie en pleine surface. Ah, la frappe est bien contrée. Le corner. Tout le monde l'a vu dedans, cette tête. Et oui, tout le monde, sauf le gardien. Quel arrêt hallucinant. De l'espace pour l'OM sur le côté. Oui, c'est une bonne défense avec cette interception. Attention à ce ballon donné dans la profondeur. Ballon arrêté, mano tasso. Incroyable sauvetage. Parce que la tête était très bien placée, mais le gardien est allé la chercher. Et ça sort en corner. Corner. L'intervention est ratée, il y a toujours le feu dans la défense. Et ici l'occasion pour mener. Le ballon sort, c'est une touche. Oh là là, le raté, mais c'est incroyable. Il va falloir patienter encore un peu avant l'ouverture du score. Le but était grand ouvert, hein. Il a des coups à son vouloir. Et l'équipe retrouve la possession. Marcus Thuram avec le ballon. Et non, l'arbitre accorde le coup franc, l'avantage n'a pas profité.
une faute flagrante, mais pas de jaune là-dessus, en tout cas d'après l'arbitre. La faute ne lui a pas semblé mériter un avertissement formel. Une réprimande suffira sans doute. Et ce coup franc atterrit dans les gants, c'est sans difficulté pour le gardien. Diego Carlos. Villa. Oh, le ballon dangereux de Jonathan David. Ah non, cette attaque est stoppée. Bon retour de la défense. Oui, il y a faute, mais l'arbitre laisse l'avantage. Ah, il s'est bien défendu sans commettre de faute. Et voilà, ça sort en touche. Coup franc, faute signalée par l'arbitre. Et au programme des matchs à suivre prochainement ensemble, ce rendez-vous de Ligue 1. L'OM affrontera Clermont. Quand on parle de football, on parle d'émotion. Et quand on parle d'émotion, on parle de vivre ce genre de match. L'arbitre là applique la règle de l'avantage. Il y a faute, mais il laisse jouer. L'arbitre ne laissera pas l'avantage finalement. C'est un coup franc. Intervention facile pour Paulo Lopez. Ouais, bien joué, c'est une bonne percée là dans le camp adverse. Bien anticipé, le ballon est intercepté. Tiens. Et toujours la progression du ballon dans le camp de l'adversaire. Oui, bien défendu, le ballon est renvoyé. Il y a un contact, mais l'arbitre laisse jouer, laisse l'avantage. Avec Jonathan David, et ça repart pour l'OM. Rongier. Les adversaires pressent. Dimitri Payet. Et oui, le ballon dans leurs pieds. Tieng. Klaus hérite du ballon. Un ballon récupéré. Une minute d'arrêt de jeu minimum. Avec Jonathan David. Et voilà, c'est la fin de la première mi-temps au Stade Vélodrome. Tiens, là, c'est Jonathan David. Et pour l'instant, il ne pèse pas assez sur la route. La valeur du jeu, elle est dans la capacité à faire mieux, à se sublimer. Après cette première période manquée, c'est là qu'il faut puiser l'énergie pour transformer la foule. Et voilà le coup d'envoi de cette deuxième période. Donné à l'instant. Nuno Tavares. Le ballon pour Jonathan David. Pas de danger sur ce ballon. Il finit sa course dans les bras du gardien. Et l'équipe reprend la possession. Un ballon perdu pour l'OM.
Et non, le ballon perdu par Dimitri Payet. Et c'est une remise en jeu à venir. Bouba Camara. Peut-être Jonathan David pour reprendre. C'est contré sans problème. Klaus. Avec une bonne progression dans le camp adverse. Ah, c'était bien parti, mais ce ballon est perdu finalement. Le ballon pour Jonathan David. Avec Jonathan David. Attention, grosse occasion. Quelle intervention absolument décisive. Mbemba. Le ballon en touche. Avec Jonathan David. Allez, voilà, dépossédé du ballon. Le ballon sort, c'est une touche. Voilà, le remplacement intervient. Gilbert. Avec Jonathan David. Et duel remporté en défense. Belle anticipation. Et la transversale pour renverser le jeu. Le ballon change de camp. Villa. Alors il y a faute. Et donc le coup franc à suivre. Et il y a du monde évidemment dans la surface sur ce coup franc, attention. Ah, évidemment le coup franc est signalé sur ce tacle appuyé. Et pas sûr que l'arbitre d'ailleurs en reste là. Et l'arbitre brandit le carton jaune sur cette faute. Tout à fait mérité, bien obtenu à mon avis. Mbemba. Clément Lenglet reçoit le ballon. Nuno Tavares. Clément Lenglet. Oui, excellent ballon, bien donné. Oui, bonne intervention pour couper l'attaque. Avec Jonathan David. On va le récupérer très haut grâce à ce bon pressing. Villa. Les 20 dernières minutes de la rencontre. Ah, malheureusement, la possession est perdue. Frédéric Gilbert. Le ballon pour Camara. Récupération du ballon. Oui, faute, mais l'arbitre fait signe de jouer. Avantage. L'offensive progresse bien. Peut-être une occasion bientôt. Oula, l'équipe n'ira pas plus loin. Ce ballon est perdu. C'est dans une incroyable ambiance que les joueurs repartent à l'attaque
un but leur suffirait. Dans les tribunes, c'est la folie. Le dernier quart d'heure maintenant de la rencontre. C'est repris par l'OM. Tiens. Et le dribble ne passe pas, le ballon sort. Ah, c'est récupéré très haut, ça. L'action se construit dans le camp adverse. Ah, le ballon intéressant. Bonne intervention pour éloigner le danger. Occasion de prendre l'avantage avec ce corner. Voilà, un peu de fraîcheur avec ce remplacement. Ah, le corner bien tiré. C'est un corner facilement maîtrisé par la défense. Harit. Jonathan Klaus. L'équipe part à l'attaque avec évidemment la grosse envie de marquer ce but décisif. Et ce ballon ne donne rien, c'est pour le gardien. Sur le terrain, dans les tribunes, sur le banc, je peux vous dire que la tension est à son comble. Ce match peut basculer d'un côté comme de l'autre. Et une passe lobée pour créer le danger. Et non, dommage, c'est sans danger pour la défense. Payet. Oui, c'est récupéré ça. Et c'est renvoyé par la défense. Ah, c'est joué dans le dos de la défense. Le ballon pour Jonathan David. L'occasion de prendre l'avantage. Et c'était sûrement la balle de match. Qu'est-ce que c'est mal exécuté. Oh, qu'est-ce que c'est chaud, chaud le cacao. Mais finalement, plus de peur que de mal. Ah, dans le dos de la défense, ça peut être dangereux. Quel réflexe, quelle parade! Et en fin des matchs en plus, il est très important cet arrêt. Et le jeu est interrompu pour un remplacement. Et le corner ne donne rien, le ballon est renvoyé par la défense. Avec Dimitri Payet maintenant. Et non, sans problème pour la défense. Camara. Et ce sera 2 minutes de temps supplémentaire. Diego Carlos. Ouais, bon pressing, bonne récupération. Arkadiusz Milik reçoit le ballon. La grosse opportunité, attention. Oh non, quel loupé. Il y avait tout pour ouvrir le score. Enfin, sur cette action. Comment ça vous arrive à vous? C'est pas toujours évident de conclure. Cette séquence peut s'avérer déterminante si elle est menée jusqu'à son terme. C'est peut-être le chaos. Et voilà la fin de cette rencontre, donc sur ce score de 0-0. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Vous n'êtes pas trop ennuyé là durant cette rencontre? Mais le football, ce n'est pas du basket, du volley. Il faut prendre son temps pour construire, élaborer, imaginer une action. Moi, c'est un 0-0 que je trouvais plutôt intéressant. Alors voilà, on en attendait peut-être un peu plus de sa part. Il y a beaucoup trop de déchets en tout cas pour être satisfait.
C'est parti, l'Olympique de Marseille vient de donner le coup d'envoi de ce match. Aïe, 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 le ballon complètement dévissé, ça passe très loin du cadre. À ce niveau, c'est tout de même étonnant de voir ce genre de raté. La frappe est bien contrée. Ballon arrêté, Mano Tasso, incroyable sauvetage. Parce que la tête était très bien placée. Ah, le ballon intéressant. Bonne intervention pour éloigner le danger. L'occasion de prendre l'avantage avec ce corner. Dans le dos de la défense, ça peut être dangereux. Quel réflexe, quelle parade! Et en fin de match en plus, il est très important cet arrêt. Arkadiusz Milik reçoit le ballon. Oh non, quel loupé! Il y avait tout pour ouvrir le score, enfin, sur cette action. Comment ça vous arrive, hein?